famille Impact Centre Chrétien de Bruxelles, pouvons-nous acclamer le Seigneur, le roi de gloire, pour son serviteur qu'il s'est trouvé, qu'il s'est façonné et qu'il nous présente aujourd'hui pour sa gloire à lui. Pouvons-nous acclamer le pasteur Marcelo Tunassi. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Le pasteur Christian parle trop bien. Amen. Comme je le dis, je ne suis pas politicien, mais je peux dire vraiment, je me sens chez moi. Amen. Et ce n'est pas de manière diplomatique. Je me sens à la compassion. Souvent, quand je prie pas dimanche à la compassion, il y a des choses qui me manquent, mais vraiment ici, rien ne me manque. D'ailleurs, il y a trop de choses de plus. Et, pasteur Christian et tous les autres pasteurs d'ICC, si vous arrivez à Kinshasa, passez à la compassion, c'est votre famille. Amen. C'est votre famille. Même si on ne s'appelle pas ICC, mais c'est vraiment la même famille. Amen. Aussi, je ne suis pas venu seul. Je vais d'abord présenter des gens que je présente rarement, mes enfants. Il y a Oracle, Shukrani, Shifra, Keren, qui m'ont accompagné, vont se tenir debout. Keren, tiens-toi debout. Amen. Ils sont venus, pas en vacances, en repos. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils peuvent s'asseoir. Et la cuve de mon onction, Maman Blanche. Amen. Aussi, le frère Joseph Yoni, qui est celui qui préside tout mon ministère en Europe. Il va se tenir debout. Amen. Nous allons prier. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Esprit, que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Tribulation, persécution, crainte ici, peur là-bas. Tribulation, persécution, oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore, oh mon Dieu, je t'en supplie. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Oh.
là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir monte ici, monte ici. Je te ferai voir des choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici. Il te dit monte ici. Je te ferai voir ton avenir, ton avenir, ton avenir, ton avenir, ton avenir. Monte ici, monte ici, monte ici, monte. Jésus-Christ, jamais toute pensée captive en obéissance à Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ça, c'est l'un des cantiques d'un album qui va sortir d'ici là. J'ai toujours dit qu'il sortira, mais il va sortir. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 17, verset 11 jusqu'au verset 19. Le thème de mon message, c'est « Après le miracle, virgule, reviens ». Tu peux le dire à ton voisin, « Après le miracle, virgule, reviens ». À celui de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant. Acclamons Jésus. Amen. Luc 17. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les ait vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que
cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Après le miracle, revient. La Bible nous dit que Jésus-Christ passait par la Samarie. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Voici la position géographique de la Samarie. La Samarie se retrouvait entre la Galilée et Jérusalem. La Galilée était au nord et Jérusalem était au sud. Et au milieu, il y avait la Samarie. Les Samaritains étaient un peuple hybride. Ils étaient le produit du judaïsme, mais aussi de l'idolâtrie païenne. Ainsi, ils avaient une religion mélangée. Ils étaient juifs, mais pas juifs, pas totalement juifs. Et ils étaient méprisés par le juif authentique, 100%. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ parlait à une femme samaritaine, les disciples étaient étonnés. Et un juif faisait toujours l'effort de ne pas passer par la Samarie. Il acceptait de faire un très grand contour, mais pour éviter de passer par la Samarie. Mais Jésus-Christ est passé par la Samarie. Et lorsqu'il passe par la Samarie, il rencontre 10 lépreux. Tous sont lépreux et au départ, on ne dit pas qui est samaritain et qui ne l'est pas. On nous présente seulement leur lèpre. Alléluia. Dis à ton voisin, ça c'est avant le miracle. Alléluia. Avant le miracle, il y a 10 lépreux. 10. Ils ont le même problème, la lèpre. Tous sont lépreux. Même problème. Ils sont dans un même lieu. Ils sont dans un village de la Samarie. Même problème, même lieu. Et en plus, ils posent une même action. Ils viennent à la rencontre de Jésus. Même action, même problème, même village. Et même, ils se comportent tous de la même manière. Ils se tiennent à distance. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient rejetés, rejetés à cause de la lèpre. Parce qu'en Israël, les lépreux étaient mis en quarantaine. Même comportement. Ils se tiennent à distance parce qu'ils sentent mauvais. Ils ne sont pas présentables. Ils se comportent tous de la même manière. Même angoisse. La Bible dit, ils élevèrent la voix, angoissés, ayant peur de mourir de la lèpre parce que c'est une maladie évolutive qui finit par tuer. Même prière aussi, même prière. Jésus, maître, aie pitié de nous tous, on fait la même prière. Il n'y avait point de différence dans le lieu, dans le problème, dans l'angoisse, pas de différence dans la prière. Et la Bible dit, Maître, aie pitié, pas de moi. Ils ont dit nous. Ils étaient unis lorsqu'ils étaient en train de prier. Et voici la réaction égalitaire de Jésus-Christ à l'égard de tous. De 10, il dit, Jésus les vit tous. Et lorsqu'il les a vus, il a eu compassion d'eux. Même compassion, même regard de Jésus-Christ. Et Jésus ordonne à tous, allez vous présenter auprès du sacrificateur. Un ordre, une direction de miracle communiquée à tous. Et ils manifestent tous une même foi. Parce que souvent, lorsque nous parlons du miracle des lépreux, nous ne voyons pas souvent la foi qu'ils ont eue. Jésus-Christ, avant même de les guérir, les demande d'aller se présenter auprès du sacrificateur, alors que dans les Écritures, tu dois d'abord être purifié de la lèpre, ensuite te présenter. Ils devaient se comporter comme des guéris pour être guéris. Ils devaient aller se présenter à ceux qui confirment la guérison sans être guéris. Et tous manifestent une action de folie. Malgré qu'ils sont lépreux, ils vont vers ceux qui confirment la guérison alors qu'ils ne sont pas guéris, mais ils sont guéris parce que Jésus leur donne une direction de guérison. C'est ça, la foi c'est la folie. C'est te comporter comme un guéri même si tu sens les symptômes parce que tu es guéri. La foi déploie le parapluie avant même la pluie parce que la foi croit qu'il y a déjà la pluie. La foi fait la fête avant la fête parce qu'elle croit qu'il y a déjà la fête.
C'est ainsi que les hommes de foi font avant les hommes normaux, parce qu'ils sont déjà en train de vivre ce que Dieu fera avant de le voir et de le toucher. Et il manifeste la foi. Tous vont de la même manière vers le sacrificateur parce qu'ils croient que la parole de Jésus-Christ est puissante. Tous manifestent la même foi, la même obéissance à un ordre irrationnel, contradictoire. Et ils expérimentent tous le même miracle. Tous les 10 expérimentent le même miracle, même lieu. Même prière, même comportement, même foi et même miracle. Là, c'est avant le miracle. Mais une fois que le miracle est expérimenté, une différence commence. Alléluia. C'est ce qui arrive souvent dans les églises. Même retraite, même intercession, même jeûne. Même prédicateur, même enseignement, même imposition des mains. Mais après, souvent, nous sommes différents. Lisant les mêmes livres, expérimentant les mêmes choses, mais après, le comportement est différent. Telle femme prie pour avoir un enfant, l'autre prie pour avoir un enfant. Dieu donne des enfants aux deux, mais après, ce n'est pas toujours la même attitude. C'est pourquoi, j'aimerais dire, ce n'est pas parce que nous habitons un même village que nous sommes les mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes problèmes que nous sommes identiques. Et ce n'est pas parce que nous prions tous ensemble que nous sommes un. Car des fois, bien-aimés, c'est le miracle qui sépare, c'est le miracle qui révèle. Avant le miracle, souvent, on pense que nous sommes tous, alors qu'il y a un parmi tous. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, le miracle n'est pas qu'un miracle, il est un test de ton amour pour Dieu. Après le miracle, la Bible nous dit un seul est revenu. Pourquoi il était tout seul? Un seul est revenu. Pourquoi? Il n'avait pas le même cœur que les autres. Les autres ne recherchaient que le miracle, mais lui cherchait un Dieu à adorer. Un seul avait un cœur reconnaissant. Les autres étaient des ingrats. Après le miracle, un seul est revenu sur ses pas. Les autres ont continué leur chemin parce qu'ils devaient maintenant profiter du beau visage qu'ils ont maintenant pour dire aux femmes, « Ah, tu vois maintenant, tu ratais. » D'autres ont dit, « Tel m'avait insulté quand j'étais lépreux, je veux lui donner des coups. » L'autre a dit, « J'ai raté telle chose. » Ils ont oublié de revenir vers la source pour bénir la source parce qu'ils avaient des agendas. Ce sont des hommes qui, lorsqu'ils n'ont rien, ils sont en train de prier. Quand Dieu les bénit, « Je suis busy, je suis busy, je suis busy. » Ah, maintenant tu es busy. Cher chômeur, tu es devenu busy. Cher chômeur, tu es devenu busy. Maintenant que tu es marié, je n'ai plus le temps. Mon mari, ma femme, mes enfants. Oh, célibataire, maintenant tu n'as plus le temps. Toi qui priais, pleurais tout le temps. Un seul revient sur ses pas parce qu'il sait que si maintenant je suis guéri, c'est parce que quelqu'un m'a dit « va te présenter ». Où est cet homme qui m'a dit « va te présenter » Un seul est revenu pour rechercher la source du miracle. Il s'est reconnecté après le miracle. Beaucoup se connectent avant le miracle, mais une fois qu'ils vivent le miracle, ils se déconnectent. Il se déconnecte. Seigneur, donne-moi une voiture. Quand il a une voiture, maintenant, il doit visiter tous les quartiers de Bruxelles. Alléluia. Qu'es-tu devenu après ton miracle? Sois comme cet homme. Et la Bible nous dit, lorsqu'il rentre, il glorifie, il loue, il adore car il se prosterne. Alors qu'il y a des débats théologiques si Jésus-Christ est Dieu ou pas, mais lui comprend déjà qu'il est Dieu, il se prosterne. Oh, alléluia. Alors qu'il y a des débats, il est Dieu, il n'est pas Dieu, il est prophète ou pas, lui comprend, cet homme est Dieu, il se prosterne. Car sachez, même s'il était samaritain, il avait aussi la connaissance du judaïsme. Et il savait qu'on ne peut se prosterner que devant Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ ne l'a pas empêché de se prosterner. Parce que si Jésus n'était qu'un prophète, il allait dire, arrête, on n'adore que Dieu. J'aimerais vous confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas demi-Dieu.
Il n'est pas qu'un prophète. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est digne de recevoir l'adoration. Jésus est Dieu. Alléluia. Il n'est pas un grand penseur, non. Il est la parole faite chair. Il est le Fils de Dieu. Et celui qui est Fils de Dieu est Dieu. Et Jésus le laisse et il dit ceci. Il n'y a eu que cet étranger. Donc les autres étaient des Juifs. Mais c'était des Juifs qui habitaient la Samarie. Comment ? Parce qu'ils ont été rejetés par leurs frères juifs. Ils sont allés se réfugier dans la Samarie. Peut-être qu'ils ont infecté le Samaritain. Ils habitaient le village en Samarie, les juifs. Comment ? Alors qu'eux devaient toujours se détourner. Mais lorsque Jésus, qui était juif, guérit ses frères juifs l'abandonnent, mais seul le Samaritain reste. C'est une prophétie de la grâce et du salut des nations que la Bible dit. Elle est venue auprès des siens. Les siens l'ont rejetée. Elle s'est tournée vers nous. Et à quiconque la reçoit, reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Samaritain était déjà une prophétie qu'un jour Jésus-Christ va se tourner vers Bruxelles, vers l'Afrique, vers le monde entier et que l'Église va naître. Oh, gloire à Dieu! J'aimerais parler à un homme qui a beaucoup de problèmes. Le Samaritain avait plus de problèmes que les autres lépreux. Pourquoi ? Lui n'était pas seulement rejeté parce qu'il était lépreux. Il était aussi rejeté parce qu'il était Samaritain. Il avait le rejet au carré. Alléluia ! Le rejet dans le rejet, le rejet dans le rejet. Rejeté parce qu'il est lépreux, rejeté parce qu'il est Samaritain. Et son problème a élevé le niveau de sa révélation et de son adoration. Vous qui avez des problèmes qui semblent dépasser ceux des autres, c'est une occasion pour adorer Dieu plus que les autres. Vous qui avez des difficultés qui dépassent ceux des autres, c'est une occasion d'adorer Dieu plus que les autres. Ça, tu ne comprendras pas. Vous voyez, des fois, vous mangez, vous jetez les choses dans les poubelles, vous ne comprenez pas. Mais il y a des gens, s'ils mangent ce que tu as jeté dans la poubelle, ils adorent Dieu. Tu vois comme tu jettes ta télévision qui marche encore. Si quelqu'un d'autre la récupère, il bénit Dieu. Tu vois comment est-ce que tu jettes ta voiture qui marche encore. Quelqu'un d'autre, il demande Dieu celle-là. Ainsi souvent, tu n'adores pas Dieu comme les autres parce que des fois, tu n'as pas trop de problèmes comme les autres. C'est pourquoi toi qui as des problèmes, en soi, le problème, c'est un enseignant, un coach de la louange et de l'adoration qui te permet d'apprécier ce que Dieu a fait. Vous savez pourquoi est-ce que les autres juifs ne sont pas revenus? Parce qu'ils étaient fatigués d'habiter la Samarie. Ils étaient pressés de regagner Jérusalem et se présenter à leurs frères. Je suis pur, mais lui, oui, je suis guéri, mais j'ai besoin de plus que cela. Et il revient et la Bible nous dit, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Avant, il n'avait pas dit. Il a dit, allez vous présenter. Il n'a jamais dit sauvé. Lorsque tu reviens vers la source, tu reçois plus que ce que tu avais reçu. Tu reçois le salut. Tu reçois pas seulement une guérison, mais tu reçois aussi l'amitié et la communion avec celui qui t'a guéri. C'est pourquoi moi, j'aime pas la bénédiction. J'aime le bénisseur qui donne les bénédictions. C'est pourquoi moi, j'aime pas la guérison. J'aime le guérisseur qui donne les guérisons. Bien-aimé, si tu t'attaches à ce que Dieu donne, plus que Dieu qui donne, je te dis que tu es un mangeur de pain et de poisson. Tu viens à l'église seulement pour le mariage, tu n'as rien compris. Tu viens à l'église seulement pour avoir l'argent, tu n'as rien compris. Tu viens à l'église seulement pour devenir grand, tu n'as rien compris. Tu es comme un lépreux qui veut se mettre purifié. Mais si tu l'aimes lui, si tu l'as lui, tu as toutes choses. Tu as toutes choses. Et ce n'est pas parce que tu as tout vu. Ce n'est pas parce que tu es guéri de la lèpre que tu as tout. Ce n'est pas parce que tu as une maison que tu as tout. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu as tout. Ce n'est pas parce que Dieu t'a guéri que tu as tout. Dieu a plus que cela à te proposer. Alléluia. Un comportement différent parce qu'il avait un cœur différent. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, es-tu mon voisin dans le cœur? On peut être voisin assis sur une même chaise, mais celui-ci vient, il ne sait pas pourquoi il est là, mais l'autre, il sait. Je suis venu écouter la parole et être transformé. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un même village que nous avons un même cœur et nous aurons une même destinée.
Et voici un exemple biblique d'un homme qui a eu expérimenté les miracles, Salomon. Il a un jeune que Dieu choisit par grâce parce que sa mère déjà y avait des problèmes. C'était la femme d'Uri récupérée par David. Et Dieu permet que par elle naisse un fils et Dieu choisit ce fils. Et voilà l'humilité qui manifeste devant Dieu. Ne me donne pas la gloire, ne me donne pas la mort de mes ennemis. Donne-moi seulement la sagesse, l'intelligence. Quelle prière spirituelle. Dieu dit, je t'ajoute la gloire et la richesse. Et Dieu fait de lui un grand homme. Mais quand il devient homme, un grand, il bat le record du monde des femmes. Il y a beaucoup de frères Salomon ici. Quand il était étudiant, oh Dieu, oh Seigneur, oh Rabashiki Baba. Il a maintenant un poste avec 10 000 euros de salaire. Il trompe sa femme, Salomon. Depuis que Dieu commence à le bénir, voilà maintenant qu'il commence à blesser le cœur, Salomon. Comme si Dieu s'est trompé en lui donnant la gloire. Tu deviens idolâtre. Tu commences à aimer la bénédiction de Dieu plus que Dieu. C'est que Dieu te donne, tu commences à l'utiliser pour servir le monde. Les Salomon, David, un berger. Il avait comme parfum, le parfum chèvre. Parfum mouton, s'il change, soit il est en mouton ou en chèvre. C'est ça le parfum de David. Dieu l'élève et fait de lui un grand homme. Maintenant, il a le droit de prendre la femme d'autrui et tuer même son mari. C'est pourquoi n'oubliez jamais où Dieu vous a pris. N'oublie jamais ta source. N'oublie jamais ta source où Dieu t'a ramassé ce que tu étais et ne le blesse pas dans la gloire. Ne tombe pas dans la suffisance et l'orgueil, dans le miracle. Et le pire de tous, c'est Lucifer. Créé par Dieu, rendu plus beau que les autres, plus sage, plus intelligent, l'ange de lumière. Il vit cette gloire au lieu que cette gloire le pousse à adorer Dieu. Il aimerait que cette gloire lui revienne. Et là, c'est ce qui nous arrive à même nous dans le ministère. Dieu t'élève parce que la bénédiction de Lucifer était spirituelle. Tu es dans le secret, tu fais des retraites, des jeûnes, personne ne te connaît. Oh Dieu, fais-moi grâce, ou à moi. Tu révèles-moi la parole. Et une fois que Dieu commence à t'élever, une fois que le ministère devient grand, tu commences à croire que tu l'es devenu par toi-même. Tu commences à vouloir que le peuple de Dieu, au lieu d'adorer Dieu, t'adore toi. Et que le peuple de Dieu tombe dans l'idolâtrie, dans le culte de la personnalité. Car souvent nous condamnons Lucifer, mais souvent nous sommes des Lucifers. Des hommes qui font obstacle à ce que le peuple adore Dieu parce que Lucifer, qui devait faire passer l'adoration vers Dieu, voulait la bloquer. Il a voulu faire un cambriolage spirituel, volant la gloire de Dieu et l'adoration. Et combien de fois nous le faisons? C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, toi qui spirituellement as reçu beaucoup de pierres, des dons, fais très attention. Quand Dieu commence à donner la gloire, veille toujours à ce que toute l'adoration, la louange lui soit rendue. Mais il n'y a pas que des gens qui se sont mal comportés. Il y a eu le possédé de Gadara. Il avait des démons et des démons. Il habitait le cimetière. Mais lorsqu'il était libéré, il n'a pas voulu courir d'abord dans sa maison pour récupérer ce qui était à lui. Il a voulu suivre Jésus. Marie de Magdala, la Bible dit, de laquelle sont sortis 7 démons, a commencé à servir Jésus. Lazare, après sa résurrection, s'asseyait à côté de Jésus. Bien-aimé, après le miracle, reviens, adore et loue. Après le miracle, reviens, adore et sers. Après le miracle, reviens et continue à croire parce qu'il y a encore d'autres choses que Dieu veut faire. Mais le meilleur de tous, c'est Jésus. Voyez, j'ai étudié le comportement de Christ, c'est extraordinaire. Il vient sur cette terre, il a un grand ministère, il meurt à la croix, il ressuscite le 3e jour, et alors que nous sommes en train de parler, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la droite de Dieu le Père, il intercède. Le ressuscité est un intercesseur. Tu vas refuser?
voyez, quand je suis venu au culte au début, avant que vous veniez, j'ai un peu inspecté les locaux, voir comment vous travaillez. Et puis 30 minutes avant le culte, il fallait intercéder. Et le pasteur me dit, pasteur, est-ce qu'on peut intercéder? J'ai dit, eh, si Jésus intercède, et moi? Ah, j'intercède. Lorsque tu commences à croire que Dieu m'a élevé, moi je ne prie plus, moi j'intercède plus, c'est pour les intercesseurs. Tu es plus que Jésus. Tu es plus que Jésus. Ah, le ministère a tellement grandi que moi j'intercède plus. Ah bon? Tu es plus que Jésus, qui est à la droite de Dieu le Père et qui parle de toi et qui parle des hommes, alors qu'il est le ressuscité, qu'il a le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia! Malgré qu'il a le nom élevé au-dessus de tout autre nom, il continue à faire ce qu'il faisait dans le jardin de Gethsémané. N'abandonne jamais les bonnes habitudes dans la gloire. N'abandonne jamais les bonnes habitudes lorsque tu vois la main de Dieu. Garde les bonnes habitudes. Lorsque tu te tiens devant Goliath, ne change pas d'arme. Utilise la fronde, utilise la pierre qui t'a élevé lorsque tu étais devant le lion et l'ours. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous changeons. Alléluia. Et pourquoi Jésus-Christ continue à intercéder? Parce que tout ne s'arrête pas à la victoire de la croix. Tout ne s'arrête pas au tombeau vide. Il faudrait aussi que l'église soit enlevée. Il faudrait qu'il y ait le millénium. Il faut qu'il y ait le jugement dernier. Il faut qu'il y ait la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que Dieu s'est arrêté? Avoir un enfant, ce n'est pas tout. Alléluia. Avoir un grand ministère, ce n'est pas tout. Faire marcher les paralytiques, ce n'est pas tout. Ressusciter les morts, ce n'est pas tout. Avoir une belle voiture, ce n'est pas tout. Il y a plus que tout cela. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité, il y a l'éternité, il y a l'éternité, il y a l'éternité. Et tant que je n'entre pas dans le septième jour, je ne me repose pas. C'est pourquoi vous voyez Dieu dans Genèse 1, lorsqu'il est en train de crier. Le premier jour, il dit, c'est bon. Ah, c'est bon. Il allume une lampe sans interrupteur, il dit, c'est bon. C'est grave. Alléluia. Mais vous savez, aujourd'hui, dans votre pays, tu ne mets même pas, la lampe s'allume toute seule. Dieu a commencé ça depuis longtemps. Dieu, c'est la technologie des technologies. Il dit seulement que la lumière soit et la lumière fut. Quelle technologie! Et quand il voit ça, il dit, c'est bon. Dieu, ça c'est bon. Ça c'est grave. Il dit, c'est bon. Il crée les plantes, c'est bon. La lumière, les étoiles, c'est bon. Le soleil, c'est bon. Galaxie, constellation, c'est bon. Beaucoup comme ça, c'est bon. Les oiseaux, c'est bon. Les poissons, c'est bon. Mais quand il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, et qu'il le place dans tous les « c'est bon » qui ont précédé, il dit « c'est très bon ». Ensuite, il se repose. On ne se repose que quand on entre dans le « c'est très, très, très bon ». Alléluia. Et c'est quand Dieu entre dans le repos. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas fini avec toi, ne tombe jamais dans la suffisance. Et Dieu ne finit pas avec toi quand tu te maries. Dieu ne finit pas avec toi quand tu as l'argent. Dieu ne finit pas avec toi quand tu es connu. Dieu finit avec toi lorsqu'il dit « entre dans la joie de ton maître ». Même quand j'aurai 80 ans et que je serai en train de prêcher, je prêcherai de tout mon cœur. Pourquoi? Dieu n'a pas encore fini. C'est pourquoi voici un exercice que je vous donne dans la vie. Lorsque Dieu ne fait rien dans ta vie, adore-le. Parce que l'adoration n'a pas besoin que Dieu fasse quelque chose. L'adoration a besoin que Dieu soit. S'il est Dieu, je l'adore. Que je souffre, que je ne souffre pas, je l'adore. Et lorsque Dieu agit, je le loue. S'il n'agit pas, je l'adore. S'il agit, je le loue. S'il n'agit pas, je l'adore. Ainsi, je suis dans la louange et dans l'adoration. Ça me permet d'être en mouvement. Et lorsque je le loue pour une chose, je ne tombe pas dans la suffisance. Je cherche une autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, soyez des adorateurs. Soyez des hommes qui louent Dieu. Et soyez des hommes qui aspirent toujours à plus, car Dieu a encore plus à faire. ICC Bruxelles, Dieu vous a amené ici et c'est formidable déjà. Mais déjà ce jour-ci, Dieu vous montre que c'est petit. Alors
qu'on est content. Oh Dieu, on a maintenant un plus grand site. On a un plus grand site. Merci Seigneur. Mais voilà qu'il y a des gens debout. D'autres dehors là-bas qui sont en train de se plaindre. Qui sont en train de dire, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Cassez ce mur-là. Ajoutez les chaises. Faites 2 cultes. Faites 3 cultes. Oh, et que Dieu vous donne d'acheter cet endroit et d'en faire ce que vous voulez. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout et nous allons louer le Seigneur avec la chorale. Nous allons le célébrer parce que nous savons qu'il a fait et il fera. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.